Bonjour tout le monde, camarade de la presse, présent aujourd'hui. Bonjour tout le monde, internaute. Tout le monde, Mauricien, dans Mauricien ailleurs. Donc, conférence de presse aujourd'hui de l'Union Maurice, c'est pour présenter essentiellement nos nouveaux partenaires qui nous rejoignent l'Union Maurice. L'Union Maurice, comment je te connais, je l'ai formée en septembre 2023 avec six groupes politiques. 100% citoyen, mouvement patriotique. Peut-être me présente ça, qui représente ça parti tout de la table. Nina Ramdini, qui représente le mouvement patriotique. Padma Ouchana, qui représente Ralliement citoyen pour la patrie. Pamabalaïden Gréa. Nando Boda, à ma droite, Rassemblement Mauricien. Patrick Belcourt, en avant Maurice. Maintenant, Sheila Benoari, qui représente Justice sociale. Et Daniela Polis-Michel, qui représente les Verts fraternels. Donc, il y a une camarade qui est supposée présente avec nous, qui ne fait que contacter moi, il est encore bloqué, il veut besoin prendre un avion italien sûrement. C'est l'autre groupe qui peut rejoindre nous, Justice et Vérité, représenté par Satish Boabal. Donc, nous tout connaissons, l'élection peut venir, bientôt nomination day, nous visons Paris. Nous vous apparaît pour moi, et le gouvernement et l'opposition parlementaire. Souvent, nous entendons que l'opposition extra-parlementaire se divise. Bah, devant eux, il y a 9 groupes qui nous rassemblent. Qui nous rassemblent, qui nous font des efforts pour travailler ensemble. Nous y sommes là-dedans depuis un an. Mais là, aujourd'hui, nous accueillir Sheila Benoari et Patrick Belcourt. Satish Boabal qui l'excuse. Donc, nous pas pour épiloguer longtemps, c'est qui nous travaille suffisamment dit ces derniers temps, qui lit nos programmes, qui lit la liste candidat, qui presque pareil, moi tu dis, à l'ingé 2 semaines de cela. L'Union Maurice, à ce moment-là, l'ingé 2 semaines de cela, tu représentes 6 groupes, nous tu présentes pas plus que 40 candidats en interne, et nous tu dis, nous toujours garde place pour les autres. Une grosse à place là pour ben différents camarades qui peuvent venir à Zodi. Et nous aussi invite les autres groupes extra-parlementaires pour rejoindre l'Union Maurice. L'Union Maurice, comment se trouver, c'est une grande alliance extra-parlementaire. Parce que nous là, pour faire tout au niveau de l'Union Maurice, pour n'avoir pas divisé vote extra-parlementaire. Donc sans plus tarder, vous passez chez la Benoirie. Donc Nicolas Poil, depuis là-bas, il poil jusqu'à ça, c'est plus facile. C'est la Benoirie qui représente Justice sociale et son équipe. Avance un petit peu plus. C'est bon. Vas-y. Bonjour à tous, merci Dave pour l'introduction. Comme camarade, moi, la représentante du parti Justice sociale, et me considérer qu'il est extrêmement important qu'à l'heure actuelle dans laquelle nous vivons, que nous pays a une grande souffrance, un grand problème, nous devons faire une nouvelle force émerger. Et comme on guette le travail que l'Union Maurice fait pour rassembler tous mes camarades extra-parlementaires, me sentir qu'il est mon devoir moral pour venir donner un coup de main pour sa nouvelle force-là émerger. Et moi aussi, me donner un coup de main pour encore inviter les autres partis extra-parlementaires. Vous êtes un peu pas plus long, c'est une introduction des partis qui me rassemblent avec l'Union Maurice, mais il est important qu'il me dise 2 points. Très souvent, me donne mes camarades, les autres partis politiques, mainstream, qui constamment critiquent extra-parlementaires, et dire que c'est nous qui divisons le vote. Donc, je peux dire du monde qui ça un vote qui donne maintenant partie extrêmement inventaire là, il n'est pas un vote utile. Mais nous avons une analyse totalement différente. L'important qu'aujourd'hui, la population qui peut suivre nous durant sa conférence de presse là comprend qu'un vote utile, c'est un vote pour l'avenir de nos enfants. Vote utile là, c'est pas extra-parlementaire, c'est pas du monde qui est dans la sincérité, l'intégrité, les compétences. Pendant 56 ans, qui nous trouvait. Là, David Ramboulam, qui pour libérer le pays. Ben, pas Béranger, Ramboulam même, qui ferme le Parlement.
pendant, je sais pas combien de mois, juste avant les élections de 2014, pas eux même qui parlent envie d'amener le Freedom of Information Act pour un pays plus en avant, nous besoin en transparence, accountability et vérité. Et ça, l'équipe Lignon Maurice là, avec tout bonne partie qui peut rassembler ensemble, c'est ça le combat pour un meilleur avenir. Donc, nous faisons un appel spécial, pour faire un appel spécial aux femmes, de donner un coup de main pour changer le pays. Pour changer le pays, pour nous gagner un avenir plus fruitful pour tous nos enfants et pour les générations à venir. Nous pas capables de continuer à vivre dans un tissu de mensonges, de corruption, de drogue, d'une éducation qui n'a pas fonctionné. Donc finalement, nous mettons ces systèmes bizarres sensés. Merci. Merci, Sheila. Donc, Sheila Belouari, comment je te connais, elle est intellectuelle, professeure à l'Université de Maurice, non, tu as pris une grande distance. Et maintenant, pour vous présenter, donc, je te connais Patrick Belcourt, financier, banquier de formation et leader de l'Avant Maurice. À toi. Bonjour tout le monde camarade, bonjour les amis journalistes, bonjour tout le monde internaute qui peut suivre nous. Donc, nous tout connaissons aujourd'hui qui, nous pays Maurice, n'arrive à un tournant de ce l'histoire. Pas du tout que nous passons nos terrains, on nous cause avec n'importe qui Mauricien sur le sol ici ou la diaspora, nous donnons un mot. Et n'a pas cause changement, et n'a pas cause changement, et n'a pas dire changement pévini. Mais c'est quoi ce fameux changement qui tout le monde peut causer? Est-ce que changement, c'est tous les 5 ans, vini, sanctionne un gouvernement qui fané, pour remettre un gouvernement qui était là avant, qui déjà fané? Est-ce que c'est ça le changement? Tous les 5 ans, n'est révini, n'est met bonnet blanc, blanc bonnet. Pourquoi le peuple mauricien, dans son ensemble, peut dire stop, nous ne plaint. D'ailleurs, c'est par rapport à sa situation-là, je me rappelle autres, qu'après les élections de 2019, ban simple citoyen, comment tous les ban camarades qui autour de la table, comment autres, ban journaliste, ban simple citoyen, il décidait pour reprendre le destin en main. C'est comme ça qu'en avant Maurice, il naît. Pour dire, nous ne plaît. Nous ne plaît en sa man vieille partie qui peut prendre ban Mauricien pour ban dépôt fixe. Et je peux faire ban l'alliance entre eux. Je peux juire dans la tête Mauricien depuis plus de 50 ans, juste pour remplir ce poste, juste pour qu'ils aient de famille profiter. Aujourd'hui, à travers l'Union Maurice, nous pouvons dire stop à sa bande jouée là. Donc, l'inormal pour moi aujourd'hui, qui en avant Maurice, vienne joindre sa groupe de plusieurs parties là, pour qu'il nous capable vraiment faire bande mauricien respirer. Surtout, nous pouvons faire pour devoir, nous pouvons faire parce qu'il y a le sens de la responsabilité. Extrêmement important. Le devoir et la responsabilité envers le peuple mauricien et envers la nouvelle génération. Aujourd'hui, nos camarades chez la Fetelli, qui l'avenir nous a pour sa peuple-là? Qui l'avenir nous a pour sa nouvelle génération-là? La peur, la drogue, enfin, pas pour vin, c'est pas le moment aujourd'hui pour une cause de toutes ces affaires qui nous tout connaît là. Mais aujourd'hui, ce qu'il nous peut proposer, c'est l'espoir. Un l'espoir pour sa peuple-là, capable de respirer. Un l'espoir pour que tous ces jeunes, qui peut écouter nous, qui peut suivre nous, qui en attente, nous pas capables, après sa élection-là, là, dans 5 ans, Révin Zazot, nous pas t'y connaît, nous pas un récit. Donc, nous avons un sens de responsabilité et un sens du devoir. Nous résumons ça dans une affaire extrêmement simple. Il faut dire que l'île Maurice, l'île pour tout le monde. L'île Maurice, l'île pour du tout. L'île pas juste pour certaines familles, l'île pas juste pour une catégorie de Mauriciens. L'île Maurice, pour du tout. Donc, vive en avant Maurice, vive l'Union Maurice.
Patrick. Et allez, le temps qu'il nous passe mon micro, pour me présenter nos camarades Satis Bouabal qui va nous recevoir les audits et pour appeler tout à l'heure. Donc Satis Bouabal, il est un ingénieur aéronautique, il est Head of Procurement Engineering dans Air Mauritius. Et jusqu'en 2017, je vais le répéter anticipé. Et lui et son équipe peut rejoindre nous. Pour dire des paroles par rapport à ce que Patrick fait dire, sérieusement, peut revenir. Depuis 20 bananes, nous avons plus ou moins même slogan. Mais là, sérieusement, peut venir avec les mêmes depuis 50 bananes. Dan de Gouda. Merci. Merci à toute la presse. Et je suis content, au nom de l'Union Maurice, remercier la presse pour votre présence, pour passer nos messages, parce que nous, le message qui nous est là, c'est un message qui peut changer l'histoire de Maurice. Et dans un cycle de 56 ans, qui pravine Jagnat et qui n'avait pas voulu dire continuer sa cycle-là de 2024 jusqu'à 2030. Nous disons non, sa cycle-là, bisin, terminé en 2024. C'est pour ça qu'il m'a salué tout mon camarade qui a aujourd'hui, je mets une différence de côté, parce qu'il nous tout connaît politiquement, il n'est pas facile. Pour la première fois dans l'histoire, nous pouvons créer une plateforme, une nouvelle force, avec autant de personnes qui divers, mais qui compétents, qui sincères, qui intègrent, avec l'ambition commune. Le destin et l'avenir de nos enfants et l'avenir de ce pays-là par rapport à un problème qui est là. Bon, pas pour nous, pas pour cause problème-là, aujourd'hui. Pour nous, le cycle de 56 ans bisin terminé en 2024. Et avec ça, la force qui nous permet là. Le projet de société qui nous permet, et nous, la volonté et la détermination pour amener ça changement au niveau du système. Nous nous toujours dire qu'il peut y avoir un changement le lendemain des résultats. Il peut y avoir un changement dans les semaines qui vous suivent pour qu'il paye là respirer et qu'il, comme mon camarade Patrick me dit, paye là pour tout le monde. Nous les présente une alternative sérieuse. Il y a une grande chose aujourd'hui. Parce que tout ce monde qui est avec nous, les hommes et les femmes, et les hommes et les femmes qui besoin nous encore, parce qu'ils nous peuvent causer la dynamique du changement, la dynamique du rassemblement, il y a avec l'Union Maurice. Nous bien choisir nous nom, en fait. It's Mauritius United. L'Union Maurice. Et autour de ça symbole-là, nous capables d'amener toutes les compétences qui peuvent amener ce changement qui nous est là. Hier, moi, j'étais dans la prière et un vieux grand dimoun peut dire moi, Beta, on est tarsa traïsa, tarsa, tarso. We are pining for change. Tarso, mon papa est tout le mot français. Pour moi, c'est grave. Le mot en anglais, c'est pining. We are pining for change. Un vieux mot, enfin, peut dire moi. Et dis-moi ça, la cause. L'avenir, ce petit enfant. Et aujourd'hui, je remercie Patrick, parce que Patrick, finalement, ce combat avec intégrité, avec ce leadership. Et je bien explique-lui qu'ici, chez nous, ce qui est important, c'est ça, l'esprit de famille et sa cohésion. Parce qu'il peine à nier dans l'alliance qui est terrible, qui est la méfiance. Pareil comme un ami entre Amgoulam. Avec Béranger Azouti. Nous besoin d'un respect et nous besoin d'importance. Vous saluez Patrick, merci d'être avec nous. Lisez-nous comme ça, vous avez une position de libéraux. Alors, mais tout bonne question d'Azouti là, je vous laisse lui répondre à votre question là. En ce qui concerne Sheila Banouari, je rappelle un premier débat à l'université, avec Sheila et Rukaya Kaznali, la réforme électorale dans les années 95 à 2000. Moi, je viens participer là,
au nom du MSM. Les finamènes ont un combat avec beaucoup de brillance. Le combat pour que la femme participe plus activement, plus puissamment dans la prise des décisions de sa pays. Je salue lui pour ça. C'est un brillant académicien. C'est quelqu'un qui a aussi une carrière politique, qui a une formation politique. Et qui, quand il dit à nous, il peut venir nous joindre nous et lui ouler, donne-nous un coup de main pour ça, nous voler Maurice là. Je dis à lui, merci beaucoup, cela. Et... Alors, je ne vais pas trop long à vous dire, nous avons une alternative sérieuse. La cause, je vais saluer la presse. Parce que ça a fait bipolarisation. Ça fait bipolarisation entre des blocs. Il n'est pas vrai le terrain. Il n'est pas vrai le terrain parce que dans le terrain, il y a un bloc d'indécis qui dépasse 50% de l'électorat. Et nous, nous pouvons interpeller ce bloc-là. Pour dire aller comme ça, ça changement qui te peut être chose, qui te peut envie de gagner là, nous capables de présenter ça avec une équipe, avec un programme et avec une détermination. En face, nous avons quatre Dalton, les frères Dalton. Nous avons Navin Ramgoulam. Nous avons Pravin Chablat. Nous avons Paul Béranzé. Et nous avons Xavier Duval. Nous, nous pour Lucky Luke. Nous pour tirer le plus vite que notre ombre parce qu'il nous sincère. Parce qu'il nous vrai. Nous l'est la bonne gouvernance. Nous comptons ce pays-là. Nous pas capables d'aller dans un pays que nous avons dit ou tout le monde comme un zombie. Par rapport à la drogue et qui nous dette, il dépasse 600 milliards. Donc, moi, arrête là. Et moi, saluer et moi, pour dire encore, nous prenons encore les autres conférences de presse avec ben, les autres camarades qui décidaient, qui sincères et qui patriotes pour amener ce qui nous fait appeler sa révolution par les urnes et qui le système bizarre changé. On passe la parole maintenant. Merci, Landou. Tu as un PC, t'as ok. Merci. Mauricienne, Mauricien, Rodriguez, Rodriguez, Agaléenne, Agaléen, Sagoussienne, Sagoussien, Mauricien, diaspora, membre de la presse présent, tous ces pays qui. Écoute-nous, bon après-midi. Il est vraiment important, sa conférence de presse-là, parce que sa conférence de presse-là, pour démontrer qu'il y prenait un rôle important de par ralliement, de par l'unité, de plus en plus, de une force d'opposition extra-parlementaire qui peut joindre nous. Et prenant encore pour joindre nous avant Nomination Day, et il nous fait travail d'arrache-pied. Avant d'aller plus loin, bisous, aussi. Remercie camarade Dave, un camarade qui travaille beaucoup. Remercie aussi nos camarades Sheila, qui là, qui nous vini, nous faire une réunion. Il a une question à poser, il a une fouille, un dossier. Nous remercie aussi mon camarade Patrick, qui depuis longtemps, moi je fais cause avec lui. Et donc, nous avons nos camarades aussi, qui pas présents aujourd'hui, nos camarades. Satish, et qui symbole ce parti, c'est Poisson, et qui nous joignent nous, qui sous, pour travailler tout ça là, sous ça que c'est qu'on appelle sa plateforme qui appelle l'Union Maurice, c'est-à-dire Mauritius United. Moi, je l'appelle simple. Je l'appelle d'abord que personne pas d'un gardien ban qui nous dirige nous comme une mafia depuis 56 ans. Nous avons un gardien qui là, qui, comment dire, pour nous, il y a des gens tout seuls, des blocs, qui bisent continuer à rester pour nous survivre dans l'intérêt très privé. Pour continuer avec corruption, pour continuer avec la fraude, pour continuer avec corruption, pour continuer avec l'exploitation de la femme, pour continuer pour exploiter des gens qui n'ont pas trop aucun mot à dire dans le roulement du pays. 22 800 domestiques, ce qu'ils appellent domestiques. Esclaves modernes, les maçons, les enflés de ben, camions, quantité de travail reste en dehors tout système.
peine en forme de pension. Nous tous seuls, on va dire bien, nous tous seuls, l'Union Maurice, qui amène un espoir, bien plus fort que l'espoir, l'espérance, pour ça, tout ça, ben, dit vous là. Donc, ça, ben, qui peut défendre, ben, bloc là, je pas trouve les autres. Dit pareil, comme en France, je pas trouve personne d'autre qui Macron et l'autre côté, Le Pen. Pareil, comme au Sri Lanka récemment, je dis à sa deux familles pour gagner, et na ben éditorialiste, grand, grand causé, technocrate de la presse, peut dire qu'il ça, qui ne gagne là, ben n'a sens du tout. Pareil, comme un arrivé en Sud-Afrique, pareil, comme un arrivé en Sénégal, et une nouvelle vague dans le monde. Une vague de changement. Changement pas seulement du personnel, mais aussi changement de système en profondeur. Et l'île Maurice, la République de Maurice, demande ça. Nous, la lutte contre toute forme d'injustice, nous le présentons, nationale et internationale. Internationale, je tout connais comment nous sommes solidaires avec les plus opprimés. Nous sommes solidaires avec Palestiniens, Libanais et ben Hindous qui ont des problèmes dans Bangladesh. Et nous, c'est le parti qui a une proposition. Parce qu'il paye un calcul électoral. Bon, faire l'appel aussi à la presse. La presse, bizarre, joue un rôle important. Il n'est pas possible que la presse, une section de la presse, in fine, faire l'impasse complètement. L'Union Maurice, parce que je peux travailler pour moi dans ben l'intérêt très privé. Il n'est pas possible qu'il y ait 56 interviews de l'autre côté, un tout seul ici. Ça aussi, c'est la presse. Et quand je connais, quand pour défendre la presse, c'est l'Union Maurice qui défend la presse. C'est l'Union Maurice qui défend quand Billy Vakid, ça veut dire Billy Vakid, toujours pour aller dans les mêmes affaires de Lucky Luke, Billy Vakid, qui commence à bloquer toute la loi contre la presse. Il n'est pas possible. Nous faisons l'appel au public mauricien. Pas manger la viande, tout ça, cochonnerie qui vous donnez dans une base là. Pas prendre cigarette. Pas prendre, ou soit prendre votre corps de téléphone pour payer votre ben que je dois. Prendre des pieds d'électricité, téléphone et autres. Pour donner toutes sortes de qualités qui sont dans sa même place là. Un orifam qui est 13 roupies par mètre, si vous comptez. Dans cette circonscription, numéro 5 et numéro 13, à l'heure actuelle, l'idée a une faire de dépenses maximales pour élection. La presse a tiré photo, guetté. La presse refuse tiré photo. Nous peinons l'argent pour donner, nous peinons l'argent pour mettre oriflamme, pour mettre banderole partout, nous peinons l'argent pour mettre 47 bases pour être dans triolet, dans numéro 8, beaucoup de bases. Nous avons nous sincérité, nous honnêteté. Mais quand ils donnent l'argent, les peuples pourraient être dans base. Quand ils donnent l'argent, ils donnent oriflamme, ils donnent tout à fait, ils donnent t-shirt, ils donnent manger, ils donnent boire, ils donnent synthétique, ils donnent tout, vis-à-vis Ranzarico. Mais nous, l'intérêt, c'est avec le peuple. Nous, on vit. C'est l'équipe qui vous trouve devant vous là, on vit véritablement, honnêtement, avec assiduité, et face l'homme, le sac visage, sac maman. C'est pour ça qu'ils nous combattent contre la drogue, pour sans relâche. C'est pour ça qu'ils ont envie de nous combattre contre la fraude et la corruption. C'est pour ça qu'ils ont envie sans le système de l'éducation. Que tout le monde nous, que de passer 18% d'enfants en moyenne, mais pas ce pessac. Et plus vous restez dans l'endroit misère, plus vous tassez. C'est pour ça qu'il y a un système bizarre sans pour un soulagement. Et en dernier lieu, on fait un appel au peuple. L'Union Maurice, c'est où parti? L'Union Maurice, la main dans la mer avec vous. Nous visons où soutien. Nous visons qui où convaincre vos camarades. Nous visons contribuer où tu casses pour que l'Union Maurice aide où pour sens le système pour amener le soulagement qui visons. Merci. À la prochaine fois si Dieu le veut. Donc, si vous avez une question, nous écoutons, nous écoutons. Apologetic.
français texte qui m'en a donné, il fait beaucoup de récitations. Et à la veille, l'anniversaire de Sir Gaëtan Duval, j'avais pas capable que Gaëtan gagne sa quantité la honte là. Donc, mon siècle, ils avaient au fond de lui-même, là, il peut dire ça, il a un rôle vraiment vilain qui m'en a donné. Et moi, j'espérais qu'il y ait un sommeil hier soir avec ce discours. Comment va-t-il, Patrick, pour que le numéro 19 cause une pose sa question là, me laisse Patrick répondre. Mais moi, moi, plus longtemps plus. Exactement. Et donc, on va vous confirmer, donc, ni Rama, ni moi, et notre camarade Daniela Polis-Michel qui est là. Donc, le trio du numéro 19 est là. Et la science qui nous est là, donc, ni Rama, ni Daniela, ni moi, n'ont pas besoin à le prendre. L'ordre, ou qui que ce soit, de nous poser. Que nous avons envie de poser. Donc, et ce serait un plaisir de penser, tous les trois, de travailler ensemble pour aider sa circonscription-là, parce que c'est une circonscription abandonnée. Et bon, par contre, j'ai déjà dit que moi-même, moi, un ancien militant, moi, issu d'une famille militante, moi, une grande, moi, des enfants, leurs droits, moi, maintenant, pour autant dire, tout le temps, mon locultor, là-bas, si vous êtes à l'endroit-là, c'est terrible. C'est terrible que ça n'arrive. Pourtant, nous nous faisons confiance. Dis-moi une vie ministre, dis-moi une vie députée. Dans le numéro 19, il y a un vice-premier ministre, il y a même premier ministre. Ils ont dit que c'est à l'endroit-là, il fait ça grec. Pourquoi qui électorat numéro 19 et pas autour de Maurice, quand je te trouve Mandimoun qui l'équipe peut présenter, pourquoi je ne quoi pas ça fil pour maintenant faire ce choix. On parle d'un PS, il y a deux personnes, une démissionnaire semaine dernière au parti, pas bien qui maintenant compter ou le non, pas du tout, pas du tout, extrêmement confiant. Et vous connaissez, ça fait partie de la vie, c'est la politique. Souvent, il y a un petit peu d'invénise, il y a un coup de main dans le parti. Après, au premier coup de fond, comment Marc II commence ça avec rien, mais arrivé ça, je t'allais, mais si je te connais, je tout me fasse fonctionner, il ne faut pas pouvoir critiquer qui que ce soit. Au contraire, je te remercie pour ce que je vais faire. Ces troisième annonce dans lequel on voit 2019, vous savez, Alban Michalov, donc c'était, attention, c'était un think tank, ok, devant les citoyens qui disent ensemble, donc au lieu qu'ils nous annoncent, nous travaillons ensemble. Après, effectivement, on est dans l'épisode de Rochimada, et maintenant, on fait une série, là, plus ou moins camarades d'accord avec ça, votre bon camarade, pourquoi vous prenez question à nos camarades que je vous posais. Et donc, oui, donc, on a le sens de responsabilité et le sens du devoir. Et bien réfléchi, au Edmund Ortizan, dans les coulisses, depuis un moment, on parle même plus loin, puisque Moutin croit à un moment donné, Moutin souhaitait, qu'il est dans sa grand rassemblement parlementaire, extra-parlementaire. Là. On œuvrait pour ça. Mais nous avons eu l'occasion pour écouter ça après, mais toujours, même problème. On est tenu, et là, Moutin, franchement, la Benoît Rie aussi, là, tout le monde tout ça à table-là qui œuvrait pour un grand rassemblement, mais non. Et dans ma tête, si je t'ai envie de faire un grand rassemblement, mais derrière, non, c'est qui intéresse, encore une fois, c'est cette famille, c'est cette poste, c'est cette l'ego ou vie premier ministre. Donc, pour moi, encore une fois, mon rétabli et mon extrêmement fier, je vous dis, qui me l'ont à la table là, parce qu'il est dans le sens du devoir et le sens de responsabilité. C'est la bonne alliance. La bonne alliance, c'est pour moi, oui, mais à cela, l'électorat, vous dire le ça, le jour, le lendemain, pour des résultats. Les nombreux sont aussi des coordonnées en plus, et là, les gens de midi, vous avez des solutions comment ça. On a pas de certitude, comment ça commence dans les nombreux. Peut-être le dernier arrivé, mais vous permettez-moi, Djaou, qui, quand une discutait, extrêmement étonné que c'est ma dernière affaire qui d'une cause. D'une cause projet, d'une cause manifeste électorale, d'une cause ma problème qui est dans ma solution qui peut venir. Et il y a une affaire qu'on a une élection. Nous avons une élection, vous gagnez. Et ma personnalité,
avec cette compétence, avec cette sincérité, ils dégageaient pour ce même ils sont titulés. Par exemple, dans le numéro 19, le Tchéna, mais quand je t'ai trouvé qu'il y a le docteur Michel, quand je t'ai trouvé Amara Leiden, je t'ai d'accord. Donc c'est dans sa sérénité-là qu'il peut travailler, ils ont dit. Laisse-moi dire un mot là. Je me suis dit que je suis dans beaucoup d'alliances qui négociaient, qui cassaient, qui gouvernaient. Il y a deux conditions essentielles pour une alliance. Il y a un respect et il y a une importance. Et ça, c'est un esprit qui nous fait maintenir pour nous créer la cohésion et un feel-good factor au sein de l'alliance. C'est extrêmement important. Parce que dès que vous mettez méfiance là-dedans, l'alliance n'a pas commencé. Et en ce qui concerne les tickets, au fait, nous nous guettons la compétence. Moi, je ne connais pas le Rassemblement Mauricien pour les tickets pour nous, finalement. Gréa comme ticket pour nous, finalement, du moment qui nous donne l'équipe qui est soudée et qui présente les meilleures compétences en hommes et femmes pour le pays. Nous tous envie de servir le pays. Et je pense qu'il nous a suffisamment de solidarité, de compréhension pour arriver facilement à la meilleure équipe qui est capable de représenter l'Union Maurice. Alors, jour présentation, nous avons un objectif, bien sûr. Nous avons un objectif. Nous pouvons faire tout pour atteindre ce objectif-là. Et nous pouvons penser au moment de nomination de vous trouver, mais nous pouvons faire un maximum parce que nous tous sentis que la voix de la femme sur le plan, sur l'échiquier politique, nous devient plus puissant et plus fort. Mais qu'est-ce que c'est important. Vous avez écouté Paul Béranger l'autre jour et merci. Quand je vais remercier ma femme profusely, as we say in English, je vais remercier tout énormément pour cette présence. Mais malheureusement, je vais demander à ma femme mauricienne, compétente, intègre et envie de servir le pays pour atteindre peut-être partir dans 90 ans. Ou pas le cas possible, ça? Dans les Maurice Berenka, je vais dire à ma femme, mais on va partir dans 90 ans pour atteindre les élections, pour faire réforme électorale, etc. Il est totalement inacceptable et injuste. Et nous, à l'Union Maurice, nous pouvons faire tout. Et moi particulièrement, au Parti Justice Sociale, je disais dire ça parce qu'il est important que la société mauricienne comprend ça. Elle a beaucoup de femmes qui supportent le Parti Justice Sociale, qui ont envie de faire politique. Mais à cause de représailles, à cause de l'atmosphère étouffante dans laquelle la société peut vivre, ce n'est pas qu'à partir la tête pour le moment. Ce n'est pas les mines en avant parce que les représailles sont énormes. Mais nous n'avons pas de femmes et c'est le pays qui perd quand nous venons dans sa diversité-là. C'est la nation qui perd au Parlement. Un Parlement sans une représentation équitable des femmes, c'est le pays qui perd, la nation qui perd parce que ce sont des ressources extraordinaires avec des capacités, des caractéristiques qui sont très importantes, surtout dans le contexte dans lequel nous vivons. C'est la femme qui comprend la souffrance de la femme mieux qu'il n'est pour qui ça l'a. Et d'ailleurs, vous faites terminer une recherche, mais ça content, termine l'autre. Une recherche qui démontre à quel point la partie traditionnelle mainstream peut tout la voir par une femme. Ce n'est pas juste moi qui peux dire, c'est recherche-là qui peut dire ça, et recherche-là pour le public very soon. Donc, il est important qu'il nous comprenne qu'il nous tout bien donné tout de même. Et là, moi, demande. Spécialement aux journalistes présents, de donner un coup de main pour changer la donne, pour faire comprendre qu'il y a encore les temps. Je veux dire, même ça dans le parti traditionnel là, nous êtes habitués de nous faire avec un dos que de femmes l'aide. Mais dans ce parti même là, ils éliminent mal femme. Ils disent, ah, mais ça est tellement bizarre en passé. Ce n'est pas des récits faits de l'alliance, parce que la femme a été sacrifiée tout le temps. Mais ça, ce n'est pas la philosophie du tout de l'Union Maurice. Nous vous mettons plus beaucoup femmes. Femmes qui ont envie de faire politique, mais qui n'ont pas fait politique et qui n'ont pas fait ça. Vous venez me profiter aussi pour dire une affaire avec la permission des deux leaders. C'est qu'il est très important qu'ils nous connaissent qu'il y a ce qu'ils m'appellent une electoral injustice dans ce pays-là. Et ça, c'est une injustice à laquelle nous ne pas faire attention très souvent. Moi, il y a mon camarade Didier Michel à l'arrière qui disait qu'il se pose à l'université pour lui faire politique. Moi, en 2014, je me disais qu'il me poste à l'université pour me faire politique.
pendant qui, ben médecin dans le privé, ben avocat dans le privé, ben professeur dans le privé, je suis capable dans ce travail et t'as double amener, pension, la monnaie, etc. Faire, gagner la possibilité de faire la politique. Ça, en lui-même, est injuste. Et pour ma femme, les recherches montrent qu'il est encore plus compliqué. Parce que ma femme, peinant autant de ressources, je donne un petit travail très souvent, je t'en vis servir le pays, je t'en vis faire politique et se parler à quitter. Nous, nous prenons l'engagement. Et vous souhaitez tout le monde, jeune collègue de l'université Tandé, le Parti Justice Sociale, il amène ça à l'Union Maurice et pour tous dans sa direction-là, qu'il nous ne pour passer un nouveau règlement et la loi pour donner la permission à l'académique, à un jeune chercheur, de faire, et les femmes surtout, mais les jeunes et les messieurs aussi, tout le monde, donne la possibilité de prendre un congé sans paye pour capable faire la politique et servir le pays. Le pays en a besoin. Il y a des problèmes drain drain. Nous payons assez de compétences. Nous pisons, ben, mais pas grave. On continue avec ben, l'idée hors tarif, 56 ans, même derrière. Nous faisons ça avant du coup là. Donc, nous ne pouvons pas s'apprimer la loi là. Ça, avec deuxième la loi qui nous faut passer, certainement, nous pas faire comment déranger quand vous l'avez dit, vous avez fait une réforme électorale pour garder une meilleure représentation féminine dans le Parlement. C'est ça. Pas bien faire. Alguien m'a dit, c'est le même idée qui s'est dit, là, vous êtes D-Link, capable D-Link. Et moi, je dis définitivement capable D-Link. Nous sommes capables de passer la loi, que capable d'être un peu plus femme. Et fait comment la loi aimée en 2011, le Government Act, au moins 30% de femmes par la loi. Parce que nous voyons tout ça cinématique et passé là, ce n'est pas possible. Donc, si nous payons la loi, ce n'est pas possible. Nous pouvons faire vivre et jusqu'à ce qu'il nous bouge vers la parité. Merci. Demande-moi une seconde, je rajoute deux mots dessus. Donc, je profite de ce qui s'est là, dire. Donc, nous, l'Union Maurice, nous invite, bonne femme, bien participe avec nous pour apposer le changement qui nous peut prôner. Ou sans système, comment nous dire. Mais il y a une autre loi aussi qui vient mettre en place. Il y a trop beaucoup d'entreprises, secteur privé, qui empêchent ce bon employé faire politique active. Il y en a Manzen qui récemment, pas capable de venir avec nous, publiquement, en tant que candidat, vous êtes capable de participer dans la vie politique. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, nous avons plusieurs circonscriptions que nous pouvons au moins deux femmes. Un exemple, dans le numéro 18, nous avons des roses et moi l'épine. Nina Ramdeni et Mireille Lachova. Et au fur et à mesure, c'est putain d'autres candidats dans différentes circonscriptions. Et pour conclure, là, plus je vous dis, et nous finis, prendre l'engagement, dans pas aujourd'hui, dans une conférence de presse qui tient là, c'est qui, ben, nomination pour 50-50. Ben, nomination qui peut être pour un poste d'ambassade, par exemple, et pour 50-50. Ça veut dire, déjà, ça cible. Là, ici, là, nous comptons welcome, et nous, et si vous mettez ça à la table là, pendant qu'un parti politique est dans ce front bench, il y a autant de femmes. Dans l'équipe, ils vont nous rappeler une affaire, nous avons trois professeurs de l'université, ou ex-professeurs de l'université. Nous avons un professeur Michel, nous avons un professeur Police, et nous avons un professeur Sheila Benoît. Donc, pour dire où qui nous fait continuer à rallier. Merci. Pour que le Sénat, vous avez des questions, vous pouvez mettre des questions, justement, à vous savoir de vous, après vous avez des questions pour vous dire aussi. Pour que vous avez des questions, vous avez des questions, est-ce que c'est ça l'alliance-là qui fait une propos de l'époque de Van Robert et Van Nevado? Parce que juste après l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque de l'époque, justement, Van Robert est présent dans les maçons du monde du post-travail. C'est tout à fait d'accord avec ça l'alliance qui fait aujourd'hui là. Et deuxième question, après justement, qui est l'alliance qui va commencer avec Yvon Bondi, nous y a une conversation. Non, pas du tout. Merci Monsieur Casimir pour les deux questions. Premièrement, mon pensée, première question là, où vous adressez ça, mais quand non, vous pensez que vous êtes des manmana, vous avez la réponse pour ça. Quand en politique, quand Mandimoun vient de nous la porte grande ouverte, après quand Mandimoun envie aller, nous pas capable de retenir.
Donc c'est comme ça, c'est une liberté d'action, de parole et de pensée, et surtout une liberté de conscience. Ok? Ou pas capable venir, venir faire une conférence de presse, venir faire une réunion, qui m'a capable invite tout, écoute ce qui m'a dit pour nous dire, et deux semaines, trois semaines après, à faire le titre. Mais mon pensée est la même plus grave qui pour commente l'eau des gens qui ne pas aussi. Ça, c'est par rapport à la première question. Deuxième question, dis-moi, effectivement, je me rappelle très bien, vous dites ça, le but, et moi, sume lien, moi, sume mes dires, mes propos à l'époque, mais, M. Casimir, ou comme moi aussi, ou l'eau terrain, ou un petit peu de colder tous les jours, ou proche par rapport à ou professionnalisé au travail, avec Ban Mauricien, nous pas capable de faire, comment dire, nous pas attendez ce qui Ban Mauricien peut demander. Donc, l'inormal, moi, fait de où, qui nous a un devoir moral, nous a une responsabilité devant sa peuple-là. Donc, à un moment donné, nous capable de penser à nos affaires, mais quand le peuple peut dire où est, c'est ça qui nous a fait, mais nous faire lire aussi. Donc, ça montre qu'il nous open l'eau là. Merci. Mais monsieur, il n'est pas de mettre un bon million. Alors, la question est pour capable de répondre. Je suppose que ça l'a sauvé. Je viens maintenant pas peut diviser les votes qui nous gardent. Nous, qu'est-ce qu'on comme ça? Moi, je suis comme ça. Nous ne pas ajouter là. Nos questions préférées, ça. Mon camarade, si Rangoulam, imagine pas une seconde, Rangoulam et Paul Vermondien, qui s'en appelle les grands agents de Djanat si ce n'est Rangoulam et Vermondien? Nous tiennent à faire, nous l'aient bataille, résolument une bataille à trois. Parce qu'ils nous conscients qu'ils nous capables de rallier une majorité autour d'un projet de société qui dit qu'on peut rêver. Nous bien avec quoi on dit, le cycle bizarre était en 2024, nous pas capables de continuer le cycle jusqu'à 2030. Et le destin de ce pays-là, dit dans la main, chaque Mauricien, c'est le vote. Et avec sa vote-là, il est capable de mettre un fin à ce cycle-là. Et amène ça à renouveau, ça à un nouveau chapitre-là, que nous envions créer ensemble avec les pays. Ça s'appelle, si vous êtes capable de rajouter un mot là, c'est vrai qu'il nous donne ça régulièrement. C'est simplement de la propagande de ce ancien parti-là. Et bien, tu peux répéter ça bêtement, comment dire, un disque rayé. Et quand on dit nous, qui est un parti extra-parlementaire, mais qui divise vote, on trouve ça une insulte pour l'électorat mauricien. L'électorat mauricien-là, il est libre pour faire ce choix. Okay? Ils ont dit, pas 10, ce ancien parti-là, qui pour aider le pays, parce que si le pays-là n'arrive dans une situation qu'on peut arriver, c'est pas ce qui nous passait 5 dernières années, 10 dernières années, c'est vrai que ça 5 dernières années, 10 dernières années, ça n'a empiré. Nous pouvons toucher le fond, nous pouvons continuer à couler. Mais ça nous commence, il est bien un bon moment. Donc, bizarre, arrête de dire à les Mauriciens qui se peut perdre cette faute. Les autres votent en qui se tenaient confiance. Donc, vous pensez, mais ça arrête d'insulter Ban Mauricien en disant ce vote PPRD. Au contraire, ce vote pas PPRD. Quand vous votez un petit bout dans qui vous avez la confiance, un petit bout qui a la compétence, un petit bout qui a envie de travailler. Okay? Donc, bon, répétez-le, c'est une propagande qui va m'appeler lancer pour dire, ayons, si nous, vote nous, je ne peux pas foutre dire vote nous, donc je ne peux dire pas divise vote. C'est une façon déguisée, c'est une propagande parce qu'ils ont pénalisé l'argument aujourd'hui. Toute élection qui vient, pas capable, 6, une élection sanction. À un moment, vote compter le dimoun, compter le dimoun. Nous d'accord, là, la plus dimoun d'accord, qui sa gouvernement-là, bien aller. Nous tout d'accord, là, mais les là, qu'on y aller. N'est voté aveuglément, refaire même sa affaire qu'il nous fait depuis 30 ans, depuis 40 ans. Donc, non, laisse le peuple voter normalement en sa propre conscience. C'est là peut-être quoi je dis. Juste pour ajouter, parce que tu as été dit, mais il y a un point très important qui nous a ajouté.
Les recherches montraient qu'il y a un gros pourcentage de citoyens mauriciens qui n'ont pas envie même à voter cette fois-là. J'ai tellement dégoûté de ces deux blocs-là. Dégoûté pour des raisons bien spécifiques. Je dis aux autres, mais moi, pas cool. Je te rappelle très bien ce que Randoula m'a dérangé une fois. Je te rappelle ça très bien. Et je plains. D'ailleurs, tout à l'heure, là, Patrick, tu tiens blanc, bonnet, bonnet blanc. Et je dis aux ça même. Le terrain, c'est ça même qui nous tendait. L'autre étude qu'il fait pour Afrobarometer montre que la confiance que le citoyen bizarre a entre lui-même et ce dirigeant, il déclinait dans Maurice. Pour un very high percentage, un déclin total dans ce qu'il appelle trust, la confiance. Si vous n'êtes pas capable même de faire confiance au dirigeant potentiel qui dirige le pays, mais qui qualité gouvernement ou non. Donc c'est ça qui nous met en délo terrain. Donc nous, nos rôles, c'est au fait de donner la chance à la démocratie mauricienne de survivre. Les vrais sauveurs de la démocratie se trouvent à l'Union Maurice. C'est pas mal la vie de la démocratie. Ah, peut-être attendez pour répondre là aussi, hein? Parce qu'il y a une question extrêmement importante, non? Il faut que c'est une question plus importante. Attendez, vous avez. Comment chez lundi, hein? Tout sondage depuis 3 années au moins peut montrer à chaque fois que la population en grande majorité, plus que 60%, il dégoûte la classe politique. Nous sommes d'accord là? Est-ce que nous sommes d'accord là ou pas? Nous d'accord. Donc, si nous sommes d'accord là, quelle manière nous sommes capables de dire que Biza est nazis des blocs politiques. Ça veut dire que vous foutez la gueule sa majorité mauricienne là. Pourquoi il est clair aussi? Non, nous vous êtes servi l'esprit. Il n'y a pas qu'à continuer à dire à Mauricien, pour une élection, soit ou gagnez droit à Mons, Briani, Vetch, ou gagnez Kosomaro. Ici, ou gagnez les soirs. Et la poisson, agneau, poulet, grévé, si vous envie. Merci. Non, non. Demain, non, là, c'est l'enregistrement des partis et des alliances. Il y a pas l'Union Maurice. Non, non, non. Nous, ce que nous proposons là, vous comprenez, c'est qu'ils nous prennent un seul enregistrement. L'Union Maurice avec un seul symbole. Tout bon camarade, je n'ai pas besoin d'enregistrer d'autres partis. Vous connaissez ma formule là. C'est à chaque parti, vous enregistrez séparément. Après, il y a enregistré l'alliance avec les autres partenaires. Pour nous, il faut bien ça. Nous pouvons enregistrer l'Union Maurice avec un seul symbole. Les libéraux sont d'accord avec cette formule-là? Oui, tout à fait. Je vais répondre par. Vous êtes d'accord avec cette formule-là? Tout à fait. Oui, c'est là. Le système le plus simple possible. Après, nos camarades d'Andon, c'est cet adhère-là. Bizarre que le bon sens prévaloir, ça est extrêmement important. Si Ndiboune a envie de travailler ensemble, pour faire des affaires simples comme ça, ça ne peut cause problème, c'est-à-dire pédale le bon sens. Donc, nous discuter, hein, personne ne va imposer, nous discuter, et ça se passe bien, le même point, comme ça. Donc, comment vous dire, à un moment, on peut mettre les groupes de côté, parce qu'il y a un problème beaucoup, beaucoup plus important que ça, pays l'avait traversé, qui logo le plot. Repose question. Repose. Est-ce que les deux officiels, c'est-à-dire qu'on a le président, les secrétaires, tout ça, pour là, pour qu'on puisse devoir choisir cinq fois d'avant, nous désolons. Non, on a un t-shirt. Oui, bon, ça après, c'est pas problème. Regrouper dans l'intérêt de la République. Nous pouvons continuer, regrouper. Nous pouvons continuer, nous pouvons gagner le combat de Mauritius United, l'Union Maurice, système bizarre, sans dire, pas même soulagement,
pour chaque maman, chaque papa, chaque enfant. C'est tout. Mais qu'attendre, s'il vous plaît. Et on va vous dire non, les comptes après ça, mais je vais vous dire. Mais qu'attendre, là, je vous dis, pour ce qu'il disait, parce qu'il, véritablement, suivre une chine. Apporte un monsieur, je vois. Ce que nous avons présenté l'année dernière en novembre, c'est toujours pareil. Hein? Nando Bouddha a commencé, le mandat est Rama terminé. Pardon? Il y en a beaucoup de femmes devant. Là. Premier ministre. Et vous venez? Et vous venez? Attends-nous, Gété. Nando Bouddha a parlé pour que les 60 cases seront déroulées dans pour les 3 cases, parce qu'il y a bien une boxe à 40. Non, nous, merci de poser la question là. Nous avons 60, plus que 70 personnes qui sont d'accord pour aller au combat. Nous finissons confirme dans certaines circonscriptions, ben l'équipe. Et nous restons ouverts, nous continuer justement au niveau de nos critères de compétence et d'intégrité de méritocratie. Et pour montrer, nous ne sommes pas capables de dire comme ça qu'il y a maintenant un assist en place ou ça en place, il ne restait non. Nous nous ouvrons au dialogue et surtout pour créer sa synergie. Parce que c'est extrêmement important de dire que la dynamique de rassemblement, aujourd'hui, est avec nous. Ce momentum-là, nous les faisons vivre plus fort et nous les faisons les autres bandes camarades aussi se venir, se joindre nous. Maintenant, il y a beaucoup les autres bandes responsabilités aussi. Donc, nous très ouverts, nous pouvons continuer là où trouver nous gagnons. Donc, en avant Maurice, nous gagnons les camarades chez la Banoirie, nous avons nos camarades Satish. Nous pouvons causer avec les autres bandes composantes. Et de toute façon, les choses pourront aller très vite, parce qu'il est bizarre de faire un enregistrement très vite. Est-ce qu'il y a déjà une manifeste électorale Alors, merci madame pour sa question-là. Nous sommes déjà présents à peu près une soixantaine de mesures. Et nous, les justement, il y a une homogénéité dans nos programmes. Parce que finalement, tout ce qui unit ça, l'équipe. Ça, l'équipe-là, avec tout ça, une composante-là, c'est le programme. Nous, envie amène le changement en profondeur. Alors, nous, déjà, il y en a, nous pouvons donc peaufiner et nous vous présenter très, très vite, mais nous, déjà, il y en a, dont un long bloc de bonnes mesures qui nous vous présentent. Peut-être si vous avez un camarade qui a envie d'être nos programmes, qui n'a pas encore eu l'occasion d'être lié, allons nous site www.aldiniomaurice.com. Attends, nous guettons. Non, pas trop facile. C'est une question à me poser. Est-ce que demande ça pour Vincent Gnat? Dis-je un peu. Guetta, dans le cas de Ramboula, on ne voit même connaître qui s'est rendu sur le niveau posé. C'est là qui nous reste. Il y a Stéphane Italie numéro 5, ok? Non, nous pouvons amener un Dimoun dans l'équipe parce que nous l'équipe là, il séduit la population. C'est ça qu'il nous dit. Alors, ce n'est pas un travail facile. C'est un travail, surtout dans Maurice, c'est un pays extrêmement complexe. Et nous voilà d'une manière qui nous capable de faire, qui dit nous trouver vraiment ça. Nous donne une excitation, comme on dit ça, moi, ça, dans le sol, moi, dit, qui dit nous dit oui, mettre ça à l'équipe. Justement, la mesure, mais plus facile pour tout le monde. C'est ça le premier électoral, ça, un peu Facebook. Non. Nous avons un amendement constitutionnel qui est extrêmement majeur. Nous avons par exemple un premier ministre pour faire des mandats. Tout poste constitutionnel pour seulement deux mandats. Nous vous mettons un constitutional appointment authority pour choisir tout le meilleur, une base de démocratie, le bon grand poste. Ça veut dire que le premier ministre fait une centaine de nominations et il nomme soit un. Bon, tu peux dire tchat, ouais. Bon, aussi, soit, aussi. Mais il est là où finit, c'est moi dire, au cadenas système là, où gagne la cuisine. Mais nous livre amène un changement en profondeur. Après, il y a un changement, nous disons, nous amène 1000 lauréats qui, au-delà de l'académique, sportive, culturelle, musicale, pour qu'ils sachent cela, sentir qu'il y a dans les meilleures institutions du monde, nous causons un blocage de prix.
nous ne causons un combat sans relâche contre la drogue. Donc, bon, un secondaire de transport gratis, moi, j'explique ça, c'est tout à fait faisable. Et parce qu'il y a à peu près seulement 20-25% du monde qui a dit paye vraiment le billet. Donc, avec 2 milliards, 2,5, 3 milliards d'euros, nous sommes capables d'amener un transport gratis. Donc, ça, c'est une de bonnes mesures, mais nous pouvons faire de manière qui nous prenons les 10 mesures fortes qui pour nous pouvons être capables de promouvoir au niveau de la campagne. Vous avez dit une équipe de communication, mais beaucoup l'en parlent, ça ne doit pas. Peut-être pas c'est là. Demain, nous pouvons être en face de notre affaire. Non, dans la Constitution, un nazis, attorney general, qui n'est pas nommé, qui n'est pas élu. Nous pouvons encore arriver là. On ne peut débattre. Il faut des sens constitution. Il faut des sens constitution. Mais ça, il y a une grande question. Hein. Il y a une grande question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui est compétent et il n'est pas venu faire politique. Arriver ça. Mais. Oui, arriver qu'il y en a, mais c'est moi, je parlais à l'élection. Mais c'est un. Azodi, nous avons le speaker aussi. Dans le passé, le speaker, il peut être déjà pour ce candidat. Là, Azodi, le speaker aussi, capable, nous capable de choisir quelqu'un qui n'a pas fini participer dans l'élection. Et avec le Attorney General. Non, il est déjà là. Il est dans nos programmes de réforme professionnelle. Conditional route. To conditional freedom reforms, pardon, nous présente un papier dans ce sens. Et dans ce sens-là, nous pose ça l'aspect-là. Et ça l'aspect-là pour permettre plusieurs choses, compétences, domaine, peut-être par exemple quand nous pose l'eau bleue, un Atikan, capable nous pour appeler, les capables de ministre, nous pose manque de femmes, les capables qu'on pense très très vite, pour pas trouver aucun parti de position pour dire quand nous prenons la loi qui pour permettre qu'on pense le nombre de femmes dans le cabinet, on ne va pas trouver. Mais seulement, bizarre, débattre avec ce tout, parce que le Parlement, bizarre, une piste démocratique quand on amène 20 personnes qui est nommé. Parce qu'il est là, il vient répondre au peuple. Et c'est un mécanisme qui nous a invité, qui n'est pas pareil comme en France. Donc, nous, Nétitieri, si vous voulez, nous donner des designs à dire, le site. Il donne le site web. Le site. Déjà, il y a plusieurs choses, nos camarades, Pancozo là, l'économie, le budget, comme une réforme, proposition. Nous proposons une vision de l'économie dans le temps, là-dedans, beaucoup l'OSME, qui est présenté par camarade Dave, qui mettait. Nous causons ça qui s'est appelé l'école Freedom of Information Act. Nous pas une cause Freedom of Information Act. Nous sommes le parti politique qui travaille la loi, le Freedom of Information Act. Bientôt, pour une conférence de presse approfondie, la drogue nous combat, comment pour combattre, qui pour faire, comment pour faire, qui la loi bien changer, comment bien changer le système de la cour, comment bien changer le système de réforme institutionnelle. Ça, nous venons là. Nous avons une deuxième, la police en profondeur, parce qu'il nous a annulé, qui peut respirer l'eau en odeur, et nous n'avons pas comment partir venir avec autant que possible. Troisième, nous venons pour les courses aussi. Qui nous peut proposer, nous pas comme les autres, simplement qui cherchent la part du manier un petit bout à M. LS. C'est bon? Merci beaucoup. Merci. À la prochaine fois.